Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Internet. Donc, hop là, c'est reparti pour la survie. Merci. Alors, du coup, comme je suis déco, tous les mobs ont respawn. Pourquoi je l'ai ramassé? Hop. Ce qui est bien, c'est que dans le camp, on trouve des flèches pour en avoir de nouvelles par rapport à celles que j'utilise, enfin que je casse surtout. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est pouvoir m'installer un peu plus sur le camp, afin d'avoir plus de place pour ranger, parce que là, je suis vraiment, j'ai vraiment pas de place. Après faire la construction. Et voilà ce que je voulais. J'ai enfin eu ma scie que j'ai cherchée pendant tout le long du dernier épisode. Et que je n'ai pas trouvé. Et là, je lance la partie. Et je la loot sur un zombie. C'est n'importe quoi. Comment on fait pour allumer les lumières? Je sais plus. J'appuie sur toutes les touches pour voir. Enfin. Non, pas là. Alors, contrôle. Je me rappelle plus comment on fait. Ah, par contre, j'ai pas vu, mais ça utilise mon essence. Alors, du coup, ce que je vais faire. Déjà, le tuer lui. Je l'avais pas vu tout à l'heure. Alors. Vous allez très vite comprendre ce que je vais faire. Alors ça c'est pour un Yuri, donc c'est une mitraillette, mais du coup j'en ai pas, alors et je vais jeter tout ça. Et ça devait être un silencieux si je me trompe pas, mais je suis plus trop sûr. Alors là j'ai ma si, donc ce que je vais faire c'est que déjà vous allez voir la tronçonneuse en action quand je coupe du bois. Voilà. En plus, c'est pas fatigant. Par contre, l'arbre, voilà, si tu pouvais tomber. Apple log. Et ça arrive que ça soit buggé dedans. Donc regardez. Maintenant, si je fais dans craft. Alors je sais plus trop où c'est, ça doit être là. Voilà. Là ça me donne 3 planches. Alors qu'avant il me fallait 4 sticks pour faire une planche. Donc voilà. Par contre j'ai juste regardé dans mon inventaire. Par contre ça remplit assez vite. Oh bah là. Je vais être tranquille pendant longtemps. Très longtemps. Ah, j'ai carrément plus de place pour rien. Ouais, c'est pas grave. Donc si je fais à la base déjà. Parce que je vais pouvoir me faire une autre caisse de rangement. Donc là, vous allez voir, ça va être avec une tronçonneuse ou même avec une hache. Plus la scie, ça devient beaucoup plus facile. De pouvoir craft
tout plein d'objets. Qu'après, c'est là-dedans. Faut juste que je ramasse. Ok. Craft. J'ai pas de place. Oh. Donnez-moi de la place. Je vais la récupérer après. Ne vous inquiétez pas. Bon, toujours une. Voilà. Donc si je fais ça. Par exemple, on va dire que ce coin-là, ce sera le coin que pour tous les objets. Voilà, je vais plutôt reprendre sur moi. Et si j'aurais un stick en plus, bah, regardez ce que je vais faire. J'ai toujours du mal avec les touches en début. À chaque fois, je reprends la partie. Voilà. Je peux transformer ça en stick. Voilà, craft. Et maintenant, normalement, si je fais ça, voilà, je peux m'en crafter une. Donc là, par exemple, je vais dire que, par exemple, ici, ce sera tous les vivres. Ce qui me permet à me nourrir. Voilà. Donc. Non. Alors. Déjà. Pourquoi je l'ai mangé? Moi, j'ai mangé le. La nourriture. Oh mince, je me suis brûlé. J'avais oublié qu'on pouvait se brûler. Parce qu'en fait, je voulais voir si on pouvait faire cuire la viande, mais. Du coup, je l'ai mangé parce que j'ai fait clic gauche. Mince. Donc, du coup. Là-dedans, je vais ranger tout mon bazar. Tout ce qui est outils. Donc je range tout mon bazar et on se retrouve juste après. Et bien on se retrouve juste après. Donc j'ai fini de ranger dans ces deux boîtes là. Donc je vais vous montrer. Donc ici j'ai mis les armes. Et ici j'ai mis quelques outils. J'ai stocké toutes mes munitions et le silencieux. Donc je crois que c'est un silencieux. Et j'ai vu que j'avais plein de petites de balles de shotgun. Donc le fusil à pompe. Du coup je sais pas quoi du tout en faire tellement que j'en ai. J'ai pas la place pour. C'est quoi? Pick up lettuce. Je l'ai mangé. Ah, c'est bon, en plus, ça m'a redonné de l'eau. J'avais une gourde quelque part. Oui, elle est là. Je sais pas où je vais la mettre. Bah, ici, je vais mettre tout ce qui est utilitaire. Donc, par exemple, mon sac de couchage, on va le mettre là. Ça, je vais stocker ça là. Hop. Là, j'ai le bois. Là, ça va faire de la place dans l'inventaire. Ah ouais, mais c'est un peu chiant à déplacer. Ce qu'on va faire, c'est. Ah ouais, mais je peux pas déplacer. Donc voilà. Comme ça, c'est plus facile pour ranger. Alors, je vais me limiter à ça. Non, déjà je sais ce que je vais faire. Je vais regarder ce que je peux craft avec tout ça. Je regarde mon chapeau. Donc j'avais plein de bazar hein, sur moi. Mon dieu. Craft. Qu'est-ce que je peux craft? Des clous. Je peux pas craft beaucoup de choses. Je peux craft des flèches. Donc en fait, je vais tout reprendre. Voilà, j'ai claim parce que j'avais des claims au lit. Donc, déjà, je peux crafter beaucoup plus de choses parce que j'ai tout à cœur. Et je pensais que je pouvais faire des barbelés, moi. Je sais pas ce que je peux faire avec des metal sheets. Ok, donc je peux les retransformer, ça peut être pratique. Ça par contre, ça peut être pratique. Donc, je vais vous expliquer. Donc en fait, c'est des petits clous. Donc quand un zombie va passer dessus, il va prendre des dégâts jusqu'à mourir. J'ai oublié que j'avais laissé ça. Donc je sais pas où ce que
Je vais les mettre. Par contre, moi, je risque de me prendre des dégâts aussi. On va faire que je fasse attention. Je sais pas du tout les mettre. Soit faut pas que je passe par cette porte-là, comme ça je les bloque et les zombies qui passent par ici meurent. Soit... Voilà. Et normalement, voilà, là je prends pas de dégâts. Faut juste bien passer au bon endroit. Alors. T'es... En fait, y a rien d'équipé dessus ou quoi. Je sais pas quoi en faire. Je vais garder ça sur moi en attendant. Alors, qu'est-ce qu'il y a à ramasser? Je vais ramasser tous les vêtements pour me faire du papier. Alors ça, je vais vous montrer ce que c'est. Donc, attendez. Sais pas à quoi ça sert, mais c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. C'est ce qu'ils ont rajouté de la mise à jour, pour la mise à jour. Quand il y a eu la mise à jour, ils nous ont rajouté ça. Du coup, c'est drôle, moi, je trouve. Par contre, je vais les enlever. Par contre, tout ce que je peux. Voilà, ça va par terre. C'est du foutage de gueule. Je me retrouve avec une autre scie. Et ça, c'est n'importe quoi. Allez. Je vais tuer pour voir s'il me loot pas un truc de bien. Est-ce que le jeu se foutrait pas un peu de moi? Je sais pas s'il y a moyen de casser le décor. Mis à part les armes. Donc ça... Pas de hurricane sur moi. On s'en fiche. Donc là j'ai rangé tout ça. Donc... Voilà. Ça me gênait. J'étais tenté. Donc alors, je vais juste vous montrer ça vite fait. Potato. Alors, craft. Vous allez... c'est... Où est-ce que c'est? Alors. Craft. Comment on fait des barbelés de voyageurs? Ça. Voilà. On peut faire des sandbags, ça c'est pratique pour bloquer les zombies. J'ai jamais tout regardé. Alors voilà, j'ai fait une graine de patate. Je vais l'équiper. Et là j'avais des planteurs. J'avais ramassé des planteurs dans une ferme. Il y avait du coup j'avais pu trouver des planteurs. Et ça me permet de planter mes graines là-dedans pour qu'elles poussent, parce que sachant que des graines peuvent nous donner de la, enfin je sais plus si c'est encore comme ça, mais elles nous donnaient plus d'irradiation. Donc avant, du coup, fallait les transformer en graines pour les planter. Donc voilà, j'ai juste fait ça pour le fun. Alors je vais juste regarder. Barbelette wire. Va peut-être falloir que je fasse du fil de fer. Faut que je vois, faut que je vois. Est-ce que ça m'a débloqué d'autres choses? Au pire, c'est pas grave, c'est pas perdu. Ok, ça m'a débloqué autre chose. Donc là, c'est le barbelé. Ça va. C'est le même système que les clous, normalement.
je dis bien normalement. Je vais juste faire ça. Comme ça. Voilà, je vais pouvoir. En fait, là, je sens un épisode où je vais vous montrer plein de traits. Ah, par contre, ça peut être joli parce que comme on approche de Noël. Donc, je vous explique ce qu'on peut faire avec ça. Donc, tout simplement. Par exemple, je peux l'équiper sur mon quad et quand je taperai dans les zombies, je les tuerai. Ça peut être sympa. En plus, ça va faire un traîneau de Noël. Ok, c'était pas une bonne idée de s'en approcher. Oh mince. Et comme vous avez pu voir, ça fait énormément de dégâts parce que j'aurais eu beaucoup moins de vie, ça m'aurait tué. Donc j'ai de la chance. Voilà. Groupe électrogène. Ah oui, et je voulais voir quelque chose. Déjà, ça serait bien si je mange un peu. Il faut que je bois ma gourde. J'aurais jamais dû la laisser ici, mon coin. Je vais aller la remplir. Ah, d'accord. Voilà. J'aurais peut-être pu quand même la remplir. Là, j'ai du mal. Pourquoi ça veut pas remplir ma gourde? Voilà, il y a jusqu'à demander. Donc, ma gourde. Alors, je vais laisser. Ici, je vais mettre tout ce qui ne me sert pas, enfin que j'ai pas besoin, à accéder directement, sauf que je peux pas mettre toutes mes flèches. Mince. Tant pis. Non mais là, j'en mets là. Ça aussi. Ou alors je peux faire ça. Ça comme ça. Ouais, là c'est l'organisation par contre. Ça je n'en veux pas. J'ai une métal bar. Donc je vais juste déposer ces matériaux. Non, je vais pas les déposer. Donc je vais vous montrer, je viens de repenser, le sandbag. Voilà, j'en ai même fait deux. Alors je vous explique. Donc déjà, c'est pas très haut, mais ça peut permettre plein de bloquer quand même, ça bloque. Donc je sais pas si les zombies peuvent s'y attaquer, je sais pas si pour ça je sais que normalement ils peuvent sauter par dessus, donc faut en mettre deux de haut. Du coup je vais juste faire ça pour pas la prendre. Donc vous voyez, ça grandit, enfin ça pousse assez rapidement. Donc là je vous ai montré déjà pas mal de choses, enfin de possibilités d'objets à créer. Alors je vais retourner chercher beaucoup de bois, enfin je finis de ranger mon inventaire, je vais chercher du bois pour faire des constructions, donc des murs et tout plein de bazar pour vous montrer comment on fait. Donc je vous dis à tout de suite. Eh bien on se retrouve juste après. Donc là je viens de tuer tous les zombies. Donc il y a un zombie qui a marché dedans, du coup il s'est pris beaucoup de dégâts. Donc tout le sang qui est à l'intérieur, c'est les dégâts qu'il s'est pris. Enfin c'est grâce au petit crochet que j'ai mis. Je sais plus le nom. Donc j'ai crafté quelques trucs. Je veux juste regarder si je n'ai rien oublié de ce que je pouvais crafter. Donc, craft de la porte. De l'encadrement. Non, c'est ça, c'est Garage Frame. Moi j'ai quoi? Maple Door Frame. Ok. Après j'ai rien crafté d'autre. Donc je vais juste voir. Bah déjà je pourrais les placer en soi.
Déjà, je vais plus me placer en haut. Ah oui, ce que je viens d'oublier, c'est qu'il me faut un sol. J'ai complètement zappé qu'il me fallait un sol. Donc on se retrouve très vite une fois que j'ai crafté le sol. À tout de suite. Donc on se retrouve, je viens juste de crafter le sol. Donc j'avais pas vu, mais c'était ici. Donc il faut 3 bûches pour avoir une planche de sol. Enfin pour le sol. Donc ça fait cette mesure là. Pour vous montrer. Je sais pas du tout où me mettre par contre. Par contre, j'ai juste exterminé le zombie. Je pose cette place, tant pis. J'ai déjà trop d'armes. Je sais pas du tout où me mettre. Je ne sais pas du tout. Normalement, on peut les poser chacune à côté de l'autre. C'est quoi qui est en haut? Ah d'accord. Pas ici. Je sais pas du tout parce qu'ici on comme on est sur le côté de la colline, bah il n'y a pas de terrain à plat. Comme je veux. À part ici. Où je peux faire ça. Mince. On peut se faire comme ça. Voilà. Donc là, j'ai un sol. Donc vous voyez, c'est plat. Donc on voit le sol est assez plat ici. Après, on voit que la route est un peu de travers, mais c'est pas trop gênant. Donc par exemple. Hop. Il faut des pilars. Donc c'est des piliers. Donc il faut, encore des bûches. Ah mon dieu, il faut beaucoup de bûches, dis donc. C'est pas possible. Je vais prendre le stock. Alors. Donnez-moi des bûches. Y'en a pas plus que ça? Ah là, il y en a pas mal. Voilà. Donc craft, maple, pilar. Ouais, j'ai pu en faire qu'un. Super. Je pensais que ça demanderait moins en bois que ça, mais bon. Je me suis trompé. Donc voilà, donc le pilier. Donc c'est ce qui permet de faire Garage Frame Maple Door. Mais je comprends pas c'est quoi à quoi sert ça. Donc. Ok, donc je viens de comprendre. Alors je connais pas grand chose de la construction. Donc je pense, ouais, on se retrouve une fois que j'ai fini la maison pour voir comment ça se passe. Enfin, tous les crafts et tout. À tout de suite. Donc on se retrouve un peu de temps après. Donc j'ai beaucoup déforesté les arbres. Donc là, ça vient de repousser seulement. Donc je vais juste vous montrer les crafts. Donc là, j'ai fait le pilier, le sol, un mur, une torche, la porte, l'encadrement de porte. Et j'ai ajouté un coffre. Donc tout simplement des piliers. Vous savez comment ça se fait parce que j'ai déjà montré. Le wall, c'est juste 3 bûches pour avoir un morceau de mur. Enfin, juste pour avoir un mur. Donc le floor, c'est la même chose que le mur. Alors maintenant, Maple Create, vous savez déjà. La porte, ça coûte pas trop cher, ça va. Ça va, ça se tient. Après, je sais pas ce que je peux ajouter. Non. Je pense que c'est déjà bien. Donc, ah oui,
J'ai oublié de vous montrer, c'est juste ça. La torche, ça se fait avec 2 métal et 4 sticks. Donc, il m'a fallu vraiment beaucoup de bois juste pour faire tout ça. Sachant que c'est pas beaucoup pour une maison. Parce qu'après, il faut bien sûr le toit. Ah, par contre, la porte, on peut. Ah, c'est un glitch. Voilà. Donc, ça se voit pas ici. Enfin, si, un petit peu là. Mais c'est deux sols qui sont liés. On peut pas, je crois pas qu'on puisse les attacher ensemble. Enfin, moi, je pense pas qu'on puisse en appuyant sur une touche pour que ça se mette bien à côté. Je me suis mis en vue à la troisième personne pour regarder. Oh, j'avais pas vu, mais ça brille. Trop stylé. Je pense pas que ça brille. Donc voilà, donc non, j'ai rien d'autre à vous montrer. Non, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Des pipes, hein, ça coûte bien cher pour ce que c'est. En plus, il y en a besoin entre chaque mur. Donc, j'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je vais juste faire ça. Craft. C'était juste pour avoir une barricade. Je trouve ça assez classe, ces barricades. Oula, j'ai par contre, j'ai évité de taper là-dedans. Un mec, une barricade. Voilà. Là, je voulais juste ici. Oh mon dieu. Et la nuit, ils sont beaucoup plus énervés, hein, les zombies. Comme vous pouvez le voir. Et vous avez vu, à chaque fois qu'ils passent à côté de mon véhicule, ils se prennent des dégâts. C'est bien pratique. Voilà, je viens de faire un génocide. Ok, d'accord. Il y en a encore. Merde. Et ils ont bien plus de vie, hein, comme vous pouvez le voir. Regardez d'où ils viennent. En tout cas, ça m'a donné plein d'XP. Mais il y en a à l'infini ou quoi? Ah mince, j'essaie de me concentrer, mais j'ai perdu beaucoup de vie. Mais laissez-moi tranquille, on sent de bon spire. Voilà. Mon dieu, il m'a fait beaucoup de dégâts. Merci pour l'XP. Mais bon, j'en ai marre là. Donc, on va se laisser là pour cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre des commentaires si ça vous a plu pour me soutenir, pour que je m'améliore. Et pensez surtout à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo.